بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي التلاميذ، السلام عليكم. نستكمل الدرس تاعنا الخاص بال البيرنوس ان كلاسيك دو لا تراديسيون. شفنا من قبل تمرينين واحد واثنين، لي دو اكزرسيس 1 و 2. اليوم نكملوا ليكزرسيس 3 بلوس لا برودكسيون اكريت هذه هنايا كونسيرنون ان فيتمون تراديسيونيل بريفيري. داكور، نبداو نشوفوا ça ليكزرسيس نيميرو 3. Alors, un vêtement qui n'est plus à la mode. Je parlais qu'elle remplace la proposition subordonnée relative par un adjectif qualificatif. Les expansions du nom, il peut y avoir un adjectif qualificatif épithète, ou il peut y avoir un complément du nom, ou il peut y avoir une proposition subordonnée relative. Les compléments, les expansions du nom, c'est des proposition subordonnée relative. يطلب علينا نبدلوهم par un adjectif qualificatif. D'accord. Bon, un vêtement qui n'est plus à la mode. Un vêtement, هذا c'est le nom, qui n'est plus à la mode. D'accord. Qui n'est plus à la mode. هذه c'est la proposition subordonnée relative. D'accord. Qui هنا ترجع على vêtement. Un vêtement qui n'est plus à la mode. Ça. Qui n'est plus à la mode, on a proposition subordonnée relative. Wesh nous l'adjectif qualificatif li abbar alayha. Nqoulou tkouni par exemple binti ou laoudi koun labs par exemple libsa, yqoulou sahbo ou had libsa li rak libsa saye ma adetch à la mode. Ou la nqoulou had libsa démodé. D'accord. Donc, un vêtement qui n'est plus à la mode, mais est à la mode, c'est un vêtement démodé. Oui, un vêtement. Donc, un vêtement, libes. Un vêtement démodé. يعني qui n'est plus à la mode. لم يعد على المودة. Qui n'est plus à la mode. C'est la proposition subordonnée relative. Parce qu'elle est introduite par qui? Par le pronom relatif qui. D'accord? Qui est un complément, qui est une expansion du nom. La proposition subordonnée relative, c'est une expansion dans le nom un vêtement. Donc, qui donne un vêtement démodé, on a remplacé l'expansion du nom l'IGET sous la forme d'une proposition subordonnée relative, où je n'ai fait place à une autre expansion du nom l'IA sous forme d'un adjectif. C'est bon? Ok. Le film que je préfère est La bataille d'Alger. Il y a le film que je préfère, c'est Maraket al-Jazair, La bataille d'Alger. Bon, qui encore le film que je préfère. Le film que je préfère est La bataille d'Alger. Que je préfère, Naya, c'est la proposition subordonnée relative. Khatr que, Naya, il remplace le film. Na, c'est un pronom relatif. D'accord? C'est un pronom relatif. Voilà. Donc, je dois remplacer que je préfère l'IA, la subordonnée relative, qui est l'expansion du nom de le film. D'accord? Je vais vous dire le nom de le film. Le film que je préfère. Mais j'ai jamais regardé le film que je regarde là. C'est le film que je préfère. Donc, on a tartini tozé, elle est le film. Elle dit que je préfère. C'est la subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Elle dit yaoud ala, le film. D'accord. Donc, je dois remplacer elle dit par un adjectif. Mon film préféré. Et la bataille d'Alger. Elle a un goulement film,
ما نقولش لو فيلم بريفيري باسكو انا نهضر على نفسي كو جو بريفير انا دونك كي نحي كو جو بريفير ما يبقاش لو فيلم مون فيلم داكور باسكو نهضر على الفيلم اللي نحبو انا اللي نفضلو انا مون فيلم بريفيري ونكمل اي لا باتاي اي لا باتاي دالجي D'accord. Donc, Naya, mon film préféré, préféré Naya, c'est l'expansion du nom Naya. D'accord. Film. C'est l'expansion du nom de film. Rani nouveau pour chemin de film. Mon film préféré, c'est la bataille d'Alger. Une musique qui vient d'Andalousie. Une musique qui vient d'Andalousie. Musiqa lati ja'at min bilad al-Andalus. L'Andalousie, hiya bilad al-Andalus. Donc hadi andi qui vient d'Andalousie, hiya la proposition subordonnée relative introduite donc par le pronom relatif qui ou qui hna ya'oud ala musique ou qui vient d'Andalousie, hadi c'est une expansion du nom musique. Yani ma gouldish une musique qui vient du Mexique, ma gauche une musique qui vient, par exemple, je sais pas, des États-Unis, une musique qui vient de France, une musique qui vient, par exemple, de l'Arabie Saoudite ou là, une musique qui vient d'Andalousie. J'ai même billet d'Andalous. D'accord. Hna nisben taha il a billet d'Andalous. Donc, Naya, Jibo fait place qui vient d'Andalousie. Rahin Jibo, une autre expansion du nom. Hana, l'expansion du nom, j'ai sous forme d'une proposition subordonnée relative. Introduite par qui? Hana, Rahin Jibo, un adjectif. Kingoulou, Wahed Jamel l'Algérie, Ngoulou, Algérien. Kingoulou, Jamel le Mexique, Ngoulou, un Mexicain. Une musique qui vient d'Andalousie, Ngoulou, une musique andalouse. Andalouse. Donc, une musique. Andalouse. Ah, Andalouse. D'accord. C'est une musique qui vient d'Andalouse. Et là, quand on a l'expression du nom, une proposition subordonnée relative, ou on a la proposition du nom, c'est un adjectif épithète. Adjectif épithète parce que les le nom. Noyau, le nom noyau, l'isme nawet, d'accord. Les arts qui sont fondés sur une tradition. Les arts, yani il founoun, qui sont fondés, l'isme nawet, d'accord. Les arts qui sont fondés sur une tradition, yani hum il founoun, l'isme nawet, yani l'isme nawet, le patrimoine. واش نقول نقول ليزار هنا ليكسبونسيون دو نون هي كي سون فوندي سور اون تراديسيون جات سو فورم تاع اون سوبوردوني ريلاتيف داكور نحيو حنا هاد لا بروبوسيون سوبوردوني ريلاتيف ونجيبو في بلاصتها ان ادجيكتيف نقولو ليزار تسمعنا كلمة تراديسيون نقولو ليزار تراديسيونيل ليزار تراديسيونيل اوكي ليزار تراديسيونيل هما ليزار hein, qui sont fondés sur une tradition. Donc, on a l'expansion du nom noyau ou art. J'ai sous forme d'une relative, une proposition subordonnée relative. Ok, on coule les arts traditionnels. Traditionnels. Les arts traditionnels. D'accord. Les arts traditionnels, on a les arts qui sont fondés sur une tradition. D'accord. Ils sont fondés sur une tradition. Voilà. Et là, traditionnel, c'est l'adjectif qualificatif hein, qui joue le rôle d'une expansion du nom. C'est une expansion du nom sous forme d'un adjectif. Nekent, subordonnée relative. Là, c'est un. C'est traditionnel, c'est un adjectif qualificatif. Ok.
Bon, pour la production écrite, alors on dit décris en deux ou trois phrases le vêtement traditionnel que tu préfères en utilisant les trois expansions étudiées. Yani, awsif en deux ou trois phrases, fi jumlatin ou la thalath, le vêtement traditionnel, li bes taqlidi, que tu préfères, li tufaddil, en utilisant bistimal les trois expansions étudiées. Bistimal le توسيعات الثلاث اللي درسناهم، توسيعات الاسم، لي زاكسبونسيون دو نو. واش شفنا؟ شفنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت، وشفنا لو كومبليمون دو نو، وشفنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. داكور، الوغ نبداو هكذا كيما بدالك. مون فيتمون تراديسيونيل بريفيري اي، يعني ثوبي ولا لباسي التقليدي المفضل هو. كل واحد واش يفضل على حسب الانتماء تاعو لمنطقة معينة، ولا ممكن يكون عايش في منطقة ويحب لباس منطقة اخرى، يعني معليش هذه ما فيهاش مشكلة. مثلا انا نحب الملحفة، mon vêtement traditionnel, mon vêtement traditionnel préféré et la melhfa. Melhfa, d'accord. Hada, c'est un habit traditionnel de la région Chaoui, d'accord. Dans la région de Chaoui, le style de Melhfa, d'accord. نحبو تاني الكراك، ونحبو كنتورا تاع الفرقاني، نحبو الجبات على قبايل، نحبوهم كاع، هذا كاع من التراث تاعنا، داكوغ. مي كل هذا وهي ويتو، كل هذا واش يحب. انا نحب لا ملحفة، اوكي. دوكا نعبر، نوصف لا ملحفة هذه سي كوا. نقول لا ملحفة، راح ندير لا ديسكريبسيون. اي ان نبي، نحب نعاود تراديسيون، نحب ما نعاودش، داكوغ. لا ملحفة إتا نبي، نقدر نقول دو باتريموان، فوالا نستعمل باتريموان شاوي، داكوغ. نديرو هكذا، دو باتريموان شاوي، يعني نسبة لمنطقة الشاوية في الشرق، داكوغ. فوالا، نقدر نكمل هنايا. إتا نبي دو باتريموان شاوي، فوالا، كي رومونت. كي رومونت يعني الاصول نتاعو تاع هاد لابي هذا، كي رومونت ا ليبوك، كي رومونت ا ليبوك، ا ليبوك رومان، داكور، ا ليبوك رومان. سي تان نابي دو باتريمون شاوي كي رومونت ا ليبوك، ا ليبوك رومان، يعني الاصول تاعو ترجع الى الحقبه نتاع الرومانيين، داكوغ. دايوغ كاع لي كان يعني البلدان اللي كانوا في حوض البحر الأبيض المتوسط، كانت عندهم ألبسة على نفس النمط كيما الملحفة، لأنهم كاع داكوغ كانوا محكومين من طرف الرومان، أوكي. ألوغ واش نقدر نقولو؟ لا ملحفة إذا نبي دو باتريمون شاوي كي غومونت على ليبوك رومان. دوكا نقولو كيفاش مواسي، نقولو سيت أبي إي كومبوزي، يعني يتألف يتكون من، إي كومبوزي دون روب لونغ،
d'une robe longue, avec une robe longue, et d'une cape, la cape de Jibin Fouk, et d'une cape large, arrête à la cape du large, hein, d'une cape large, maintenue, ou la fixée, ou la kimetab, maintenue, mais si fixe, maintenue, yani mchdouda, maintenue aux épaules, al-ktef, maintenue aux épaules, yani une cape arrêta, mchdouda fil-ktef, maintenue aux épaules, par des fibules. Fibules, par des fibules en argent. D'accord, en argent. Les fibules, bon, moi aussi, هذيك الفيبيول هكذا وتكون عندها واحد المسمار هكذايا باش كي تعلي يشدو به الخمار داكو باش مساك باش يلصق في القش باش لهذوك لا كاب هذيك تلصق في الكتاب زعما تكجور عندك هكذايا وتجي المرا ولابسه هذيك لا روب من هنايا بون هكذايا طويله داكو هكذا وتجيب ديك لا كاب هنايا تربطها هنا في الكتاف وتجي كذا باش سترة يعني داكو وتجي هذيك لا كاب هكذايا وهنا هذوك الخلالات هنايا داكو اوكي هذه هي ل داكو هذه ل لا 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 كاب وهذه لا لونغ لا روب كي لونغ داكو يسميوها لا ملحفة. Elle est très à la mode, ok, hein? D'accord, il y a un peu de temps, d'accord, il y a beaucoup de gens qui ont fait le temps, qui ont fait le temps, 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 le الجزائر بزاف الجمعيات اللي اعتناو بهاد الامور والملحفه اليوم تصيبها في التصديره تاع العروسه كيما هي كيما تجبا قبايل كيما بزاف امور كيما قندور تفركاني كيما الكراك وتزيري بزاف 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 امور داكوغ سطايفي الوهراني كاع امور تاعنا تاع التراث الجزائري وكاع شباب داكوغ كاع مليح كاع مليح كاع زوينين كيما يقولوا داكوغ الوغ نعاودو نقراو مون فيتمون تراديسيونيل بريفيري اي لا ملحفه اربع خمس سطر دوكايا لي نون نوايو احتوي الاقلام تاع لي كولور نسطرو كاع بالغوج لي نون نوايو داكوغ لي نديرهم بالغوج هما لي نون نوايو نديرو هكذا هذا اللي بالغوج يسمى نون نوايو الاسم النواة داكوغ واللي يعود هكذا بالفير يسمى ادجكتيف ادجكتيف كاليفيكاتيف ايبي ايبيتيت يا كالولاد واللي يعود en noir, il est en noir, il est en noir, en couleur lire, voit la proposition subordonnée relative. Les filles qui ou la que ou la, ça dépend. Worship Kana ou lire en bleu, il est en bleu, voit et qu'on a un complément du nom. D'accord? Complément du nom. Donc, on a trois expansions. L'adjectif qualificatif épithète, j'y laisse le nom, noyau. La proposition subordonnée relative qui est introduite par un pronom relatif. Ou on a le complément du nom. Nebdev, dans le cas, blé nom, noyau, li entena. On dit mon vêtement à haulik. Mon vêtement, c'est un nom noyau. Ça. Même bertou, on dit traditionnel ou préféré. Ce sont deux adjectifs qualificatifs. D'accord. Et la melhfa.
mon vêtement traditionnel, c'est la melhefa. La melhefa est un habit du patrimoine chaoui. La melhefa est un habit du patrimoine. Donc, on a un autre nom noyau, l'ihwa habit. D'accord. Wainhu, l'expansion tao, l'expansion tao, un habit du patrimoine chaoui. Hedhneya. On a l'expansion, on a le complément du nom, on a le bleu. Heda, du patrimoine chéoui. D'accord, patrimoine chéoui, heda, c'est un complément du nom. C'est un complément du nom. J'ai en noir, ça. Voilà, qui remonte à l'époque romaine, proposition subordonnée relative. D'accord, heda, dirouhab. En noir, d'accord. Proposition subordonnée relative en noir. Hadi, c'est une PSR. D'accord. Hadi, c'est une PSR qui remonte à l'époque romaine. Elemen, qui est-ce qui remonte? C'est l'habit. D'accord. Du patrimoine chez oui, c'est un complément du nom. Peut-être que tu peux un complément du nom. D'accord. On a c'est des adjectifs, adjectifs. Qualificatif, épithète. Hakda bagra l'bidaya tal kalimat. Adjectif, qualificatif, épithète. Bach ma tghaltouch. Malak soura ma tkhouch wadha bel alwan, ma nharf. Donc, nakhdou htiyatatna. Ou hna bel rou, c'est les noms noyaux. D'accord, aloulad. Narjou, cet habit, had libes, est composé. Chouf mli hnaya. Ou balak tgouli composé, c'est un. C'est un adjectif qualificatif épithète. Ou ayek. Kongul nahak, cet habit composé, عندك الحق. Parce que l'adjectif qualificatif l'est moubacharatan le nom noyau. Donc, ou jisema, c'est un adjectif qualificatif épithète. Ou jisema, expansion du nom. Hakda, bin le nom ou bin l'adjectif, bouchkein, kein, un verbe d'état. On a être, paraître, sembler, avoir l'air, bzef, des verbes d'état. El mouhim verbe. Yifarq bin le nom ou l'adjectif. Heda, c'est un adjectif sah, parce que c'est attribut, attribut, attribut. Ou mahouche expansion du nom. Non, ce n'est pas un adjectif qui est une expansion du nom. Lela. D'accord. L'adjectif expansion du nom ou le qualificatif épithète qui laisse le nom. J'ai qablou, j'ai bado, mais laisse fait. Il n'y a que deux adjectifs laisse le nom noyau. Deux adjectifs. Qualificatif épithète. Alors, composé. D'une robe longue, voilà un autre noyau, une robe, d'accord, un habit, d'accord, c'est les noms noyaux, d'accord. Bon, washbihom, robe longue, longue, c'est un adjectif qualificatif épithète, parce que rahou lesak, moubacharatin fait le nom noyau, terme, adjectif. Qualificatif épithète. Composé d'une robe longue et d'une cape large. Cape, c'est le nom noyau. D'accord. Ou large, c'est quoi? C'est l'adjectif qualificatif épithète. Maintenu, kif kif. Maintenu, yani mchdouda. Mahkouma. D'accord. Adjectif, qualificatif, épithète. Maintenu aux épaules par des fibules en argent. Yani mchdoudine hna bel ktef bel khlalat hadouma. D'accord, bel khlalat hadouma. Des fibules, hadouma les fibules, hadouma ismihom les fibules. Ou hadi hnaya. C'est la cape. C'est la
c'est l'arabe. Ou là, n'goulou aussi, n'goulou gandoura. Gandoura. D'accord. Hadi le gandoura, hadi la cape. Tu me fouras. D'accord. Hadi il me l'hefa. Hadi il y a hadi. D'accord. Hadi. Ou hadi plus hadi gaz m'ha m'lhefa. Mais l'asl la cape, il y a m'lhefa. Il y a des dors à l'jism, d'accord. Bech tu star le ktef. Ok. Saha. Alors. Maintenu aux épaules par des fibules. Hadouma, m'sesk hadouma, l'khlalet. Donc, le nom noyau au bois. Fibule. Fibule en quoi? En argent. Hadouma, en argent, ou chneya. C'est un complément du nom. En argent, c'est un complément du nom. D'accord? Introduit par une préposition en. On va dire le nom. Donc, c'est un complément. Complément du nom. D'accord, Aloulet. Donc, na, naoudou, and comme le nom noyau, nom noyau, NN, traditionnel préféré, les expansions, NTAO, ce sont des adjectifs qualificatifs. Habit du patrimoine, donc, na, un autre nom noyau. Patrimoine, du patrimoine chiaoui, donc, ça, c'est un complément du nom. C'est un complément. Complément du nom. Qui remonte à l'époque romaine. Il y a une proposition subordonnée relative. Hein? C'est une expansion du nom noyau habit. Cet habit est composé d'une robe longue. Donc un autre nom noyau. D'accord. Longue, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Ta robe. Badandek. Une cape. C'est un autre nom noyau. Ou large, c'est un adjectif qualificatif épithète intercap. Ok. Maintenu, c'est le deuxième adjectif qualificatif épithète intercap. Donc, on a deux expansions du nom, deux adjectifs qualificatifs. Ok. Ou même, Bada, qui maintenant, maintenu aux épaules par des fibules. Fibules, c'est un autre nom noyau. En argent, complément. Complément du nom en argent, yani mkhdoum min al-fitra. Voilà, donc derna la production écrite derna. Li hab ydir un autre habit, ma lih ghir yistamel yani une petite référence. Qal mathalan tarikh nta l'usul nta had l'libas, d'accord, ou yati kifash tariqa bach yusuf. من واش يتكون هذاك اللباس كيما مثلا لا غندوره تاع الفرقاني. غندوره الفرقاني يقولوا مثلا متكونه من جبه تاع القاطفه, من قماش قاطفه, وفيه مثلا رسومات والاخر طرز من بالفتله من الذهب. داكور دي فيل اون اور هان و كي رمونت ا تري 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 لونتون هان. نخلي لكم لو سوان تبحثوا على الاصول تاع القندور تاع الفرقاني. اي فوالا, دونك اون ا تيرميني نوتر اكزرسيس. ابنائي التلاميذ تصبحون على خير, والسلام عليكم.